Ok, allez, c'est reparti avec Maritime Adventure. Bravo, merci. Mais c'est bien que tu dis rien. C'est gentil, franchement, ça me permet de bien réfléchir. On a une main maintenant. Enfin, j'espère que ça te plaît, hein. The world is milled, and not you. Ça ne doit pas être toi. La main bouge. Le skull est chaud patate, ok. La porte était le drapeau. Le drapeau, c'est la victoire. Le mur, c'est le mur. L'eau me stoppe. Le wall peut être poussé. Okay, c'est un mur spécial. Le wall, c'est le froid et ça peut pas être toi. La lava peut être défaite, d'accord. Dès que je vais pousser le truc, la lave devient... Et la main ouvre la porte, ok. Déjà que la main bouge, je m'emmerde. Je peux faire un disyou déjà. Et là... Ah, peut marcher sur... ah ouais, d'accord. Ah, ça va être compliqué. Ah ouais. Parce qu'après, je dois être la main. Et la main, c'est l'open. Non, la hand. Le mur peut être poussé. Handisium me perturbe un petit peu. Ah, c'est amusant. C'est-à-dire que je vais perdre ça et le... The hand was... Juste que je vais... The hand is open. Okay. La main ouvre la porte et la porte était le drapeau. Okay. Donc si je nique... Transformer en this baba. Baba, c'est moi. Merde, putain. Et the wall is wall, hein, on avait dit. C'est pour ça. Ok. Si je transforme la main en mur, c'est fini. Oui, ça te plaît. Nickel. Ok. Faire des ponts, ça y a pas de problème, ça j'ai bien compris. La petit souci que j'ai, c'est que c'est juste là que ça ne passera pas. Comment je peux pousser un mur de manière à ce que la lave qui est là me fasse pas. D'ailleurs, le wall is milt, ils sont pas les steaks. Hein. Passer mais pas là. Oh, j'ai pas vu le run. Mais chier. J'ai pas vu le run. Je suis trop con aussi. Ah ouais, mais ça passe pas. Non, c'est... Non, c'est pas si simple que ça. J'allais dire que... Ouais. Non. Non, non, non. Non, 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 non. Faut que j'oriente le mur vers telle ou telle direction. La lave devient défaite automatiquement. Je sais que je peux mettre un wall là, ça y a pas de problème.
Je peux pas faire wall is move comme ça. Je vais montrer pourquoi. Je vais pousser de telle sorte que le on me fasse pas chier. Normalement, je suis censé le faire comme ça. Et dès que je vais mettre le wall is move, voilà mon problème. Il ne va pas dans la bonne direction. Niquer mon pêche. C'est ça mon problème. Peut-être que le wall on you is a... Non, le wall is wall. Le hand peut être moi, ça y a pas de problème. J'ai encore un is qui permet de faire un truc. You on wall is push. Wall on you is push. Tenté. Ou je peux l'orienter comme je veux. En gros, ça serait le bordel très vite. Ça ne marchait pas très. Et le one on baba is push, ça passe ça. Hein? Ah ouais, mais si je fais ça, je nique toute ma matrice. Attendez, il faut que voilà, comme ça. Comme ça, je peux réorienter. Donc, dès que le mur est sur le. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Wall. Tu bouges. Pas par là, abruti. Pas par là. Qui descend. J'ai compris un truc. Déjà, j'ai compris un truc. Pas mal. And is push. Ensuite, je vais faire and is you. Donc, je fais wall. Et wall is push. Donc il faut que j'intervienne entre les moments où le
La main, ça va être moi, et les moments où la main, ça va être le move. Donc normalement, je vais devoir faire un petit clan pour moi ici. Normalement, on ne touche plus. Là, comme ça, je peux vraiment tout bouger comme je veux. Maintenant, je suis la main comme un débile. Merde! Attendez, on touche à rien. Arrête de push. Je veux le move. Il n'y a pas de problème, je veux move. Je veux que le baba et le hand, ce soit moi. Là, je suis très très mal placé. Le move. Soit bien placé. Parce que dès que. Il a bougé le move. Faut que je joue avec le move et avec le you. Le but c'est de faire monter la main qu'en haut. Ah, pas ça. Pas de là. Aïe! Un enculé! Ah, le jeu de merde! Ah, je te déteste! Je ne t'aime pas le jeu. Tu viens de me niquer tout mon travail pour rien. Pensais qu'il fallait move. En fait, j'ai beau faire un wow, je me fais défoncer. Ça veut dire que le mur il pue la merde quoi. Je bouge la main. C'est là le problème, c'est que un côté je veux bien, mais l'autre côté je peux pas. Alors, il fallait que Baba move pendant que je suis la main. Que la main bouge et soit push après derrière. Si je peux pas faire de pont sur ce putain de jeu, c'est mort. Je peux pas monter sur le mur en étant protégé de la lave, c'est dégueulasse. Ça a tué tout mon plan. C'est pour que je puisse bouger la main. Faut que la main soit moi de temps en temps et soit en move de temps en temps. Juste à l'orienter gauche-droite après. Que la main fait du haut et bas. Si j'arrive, il est là. Je le décale, je le mets en move comme ça il descend. Au moment où il descend, j'enlève le move, je redeviens moi. Pour juste se décaler d'une case. Ensuite, ensuite il redevient moi. Ensuite il redevient move. Ensuite il redevient moi. Une case à gauche, à partir de là c'est quasiment gagné quoi. Au moment où la main va arriver par là que ça va commencer avec le bordel. Bon, le wall is push par contre m'emmerde un peu. Je sais que c'est complètement faux ce que je suis en train de faire, mais je vais juste vérifier si c'est jouable ou pas. C'est possible avec le is push. Le fils de pute, jeu de merde. Je m'en doutais. J'ai compris le truc. J'ai compris. Et sur le mur, c'est moi. Le mur, c'est moi. C'est-à-dire que tant que je suis le mur, c'est moi. Donc, truc sur le mur. Ensuite, il faut que je bouge les 2-3 parcelles de mur de merde.
Et là, j'ai compris l'utilité du mur. Donc, normalement, c'est la bonne chose à faire. On est bon. Maintenant, il faut que j'oriente la main. Ici. Non. Non, non, non. Je veux que ça soit ça, comme ça. Donc, le wall, on s'en fout. Le push, on s'en fout. C'est le wall. Donc, Baba, c'est moi. Ça, y a pas de problème. Mais il faut que le on wall... D'abord, on va faire un undies push pour le placer. Ou le undies you pour le placer. Ce sera déjà pas mal. Et si je le mets pas au bon endroit, ça va pas le faire. Donc chaque chose en son temps. On commence déjà par le undies you. Là, mon problème, c'est que une, deux, non, c'est bon, non, j'ai descendu une fois de trop. Bouge pas, ne bouge pas. Non. Ah ouais, mais le undies move avant. Is undies move, je suis mort. Ah, mais encore une dernière petite difficulté de FDP. Parce que si je fais ça, wall is you, c'est la merdouille. Et le hand, c'est le dernier truc que je dois mettre. C'est dégueulasse. Le placer, ça me saoule. Je peux pas le placer. On va le mettre là. Mais je peux pas. Mais ça me fait chier, ça, en fait. Je suis vraiment obligé de le mettre là. Faut que je réoriente mieux que ça les walls. Putain, c'est chiant. Ah, mais je peux pas. Non, je peux pas. Si, je peux. Juste à orienter vers la gauche. Le problème, c'est que vers la gauche, il y aura tout le texte. C'est pas une très bonne idée, en fait. Casse-tête de merde. C'est pas grave. On va essayer de faire comme on peut. Le push, on s'en fout. On n'en a plus besoin. C'est lorsque... Je peux réorienter le mur comme j'en avais envie. Sachant que je suis aussi un vrai trou du cul professionnel. Et juste à mettre le wall ici. Et on n'est plus emmerdé par quoi que ce soit. Donc Ori, arrête de faire le con. N'est-ce pas? Voilà. Là, tu peux orienter comme tu veux, vers la droite, vers la gauche.
Donc, le is move. Là. Et c'est là qu'il y a les petits problèmes techniques. D'ailleurs, je viens de penser un truc. Une fois qu'il a un mouvement là, et comment pour le... D'accord, j'ai compris. Tac, monter vers la droite, vers la gauche. Attends, je suis sur la lave. Hein? Pas que je me plante. Il suffit que je devienne au wall et c'est la merdouille. Ah non, je peux pas. Mais tu te fous de ma gueule! Je me casse le cul pour faire ça et en fait tout va bien quoi. Ok. Ok, mais putain j'ai. Vous savez dire the wall is wall. Wall is not you, putain. Ah, c'est trop compliqué. On va faire ça. De toute façon, après, il faut que le 1 dise you à la fin. Pour que le 1 dise you à la fin. Là, je peux pas, hein. J'oriente une fois, deux fois, trois fois. Vous savez ce qu'il m'aurait fallu? C'est que Baba soit un cran plus bas. Et là, je passais. On va quand même faire l'expérience. Ah, il se fout de ma gueule le jeu déjà. Alors pourquoi? Parce que j'ai fait une orientation droite-gauche alors que je dois faire une. Il m'a transformé en baba. Pourquoi tu m'as transformé en baba? Ah, tu m'as fait un Andis baba. C'est pas bon. Ah, je peux faire un baba is hand aussi. Ouais, c'est que si je fais un baba is hand, c'est la merdouille. Non, 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 non. Merde. Et je l'avais.
J'avais, mais j'ai encore deux problèmes à régler. Problème de ma main qui doit être vers le haut au moment où j'enlève le hand is you, alors que le hand is you est placé. Ça, ok. Le deuxième problème, c'est que. Mais ça, je le réglerai plus tard. Ce que je vais devoir faire, c'est. Et le refaire, mais. Faut que le Baba is you soit comme ça. Non, j'ai un Baba is you comme ça. Non. Ah mais si je mets le hand is move très très loin, ça va pas le faire. Parce que le temps qu'il fasse son mouvement de merde là, moi je meurs comme une merde. Hey, j'étais game over. Ça c'est énorme. J'ai la main et j'ai Baba. Pas que j'aille de l'autre côté, c'est ça le problème. Juste ça qui me manque. Ça va être un bordel. Là, on est bon, on a un baba truc, ok. Faut juste bien orienter les lettres, c'est ça le problème. Hand on the wall is you. C'est que dès que la hand va bouger. Trop con. Reprends le hand is you.
Ça fait 1, 2, 3 pas. J'ai 3 pas pour passer. Non ! J'ai fait bouger tous les murs comme un débile. And on the wall is you. Putain, il est déjà sur le wall depuis le début. Ok. Ouais, le problème, c'est que je peux pas faire les deux. Putain, fais chier. M'énerve. Qu'un seul mouvement. Me demander une question débile. Pourquoi je me casse le cul à ce que ça soit Babar qui comme ça alors que j'ai juste besoin que ça soit la main. Babar, une fois qu'il arrive quelque part, qu'il pousse les trucs, il a juste à pousser pour transformer le truc en Baba Is You. Et Baba Is Move. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un mur de ce côté-là? Puisque le... Ah si. Alors, bouge pas la main. Je viens de trouver un truc. Ça signifierait que le Baba Is You doit être... Pas que playback. C'est-à-dire que le wall is push. Je dois faire pousser les murs jusqu'à là. Donc le push, j'en ai vraiment plus besoin. On the wall. Je peux plus niquer ma main.
J'ai dû gérer ce petit problème de... Et un des moves ici. Dès que la main va bouger, c'est fini. La preuve. Je suis pas loin. Je suis pas loin. Hein. J'ai compris le principe de faire les murs. Bouger ça. Alright. Niquer ton propre truc, abruti. On va commencer à zéro. J'ai compris. Et... C'est la difficulté, c'est de savoir comment placer les lettres de telle sorte que je puisse déplacer la main correctement. Sachant que le wall is push, j'ai compris le principe maintenant, ça n'a plus de problème. C'est qu'il me faut un mur ici pour pouvoir le décaler. Il me faut un mur environ ici. À vue de nez, hein. Il me faut un mur ici. Pour pouvoir le remonter ici. Il me faut un troisième mur. Ici pour le remonter, il me faut un mur ici. L'orientation des murs, c'est comme ça. Un point, c'est tout. C'est le plus petit que je puisse faire. Pour les orienter de droite à gauche et de haut en bas, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est trouver un moyen de pouvoir mettre Baba du côté droit. J'espère qu'il n'y a pas le principe du game over pendant un temps, puis la main ressouvre Baba, etc. Et là, ça serait trop hardcore et il me reste 20 minutes, hein, plus les heures sup. Mais bon, le push, normalement, je devrais plus en avoir besoin. Le wall. Je peux même mettre un wall is you à la fin, après la main. Et je fais en sorte que la main... Ah mais il faut que la main sur le mur soit jusqu'au bout. Je peux pas toucher au mur. Soyons pas dégueu. C'est pas sorcier, on n'est pas sur les niveaux difficiles, on est sur les mécanismes. Le mécanisme, c'est d'utiliser les murs comme ça. Là, j'ai enlevé le push. Le push, sûr, j'en ai plus besoin. And. On. On reste sur la phrase. And. On. Wall. Is you. Après, on a le hand is move. Et il faut que le move soit... Là. Et normalement, ça gêne personne. Ok, c'est bon. Move, j'en ai plus besoin. Jusque voilà, je vais redescendre un point. Donc le hand is move, je le décale là. Je le mets sur le on wall. Is you. Décalant d'une case, c'est bon. Maintenant, la dernière étape, c'est le hand is you d'abord. Et merdouille, il y a un problème. Faut que je règle. J'ai fait une connerie.
Le problème, c'est que le and is you doit être orienté vers le bas. C'est ça qui m'emmerde. Le and move, pas la meilleure chose. Donc il faut que je réoriente toutes les lettres de telle chose. Dommage, hein, l'orientation était parfaite. J'avais le move ici, donc ce qui fait que Baba était sauvé. Mais j'ai besoin, au moment où je nique le and is you. Avec Baba, il faut que. Faut que la hand soit plus moi. Ok, j'ai compris. J'ai compris, putain, j'ai trop con. Alors là, regardez ce move de ouf. Ok, j'ai compris. Donc il faut un wall. J'ai compris, mais c'est compliqué. Attendez. On va leur faire comme tout à l'heure. La main, tu ne bouges pas. Hein ? On va orienter comme si c'était tout à l'heure. J'ai pas envie de me refaire tout. Là. La main. C'est parfait ici. Tu ne bouges pas. Ok, tu ne bouges pas. Et... Là, il est orienté vers le bas. Paf! 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 Non! J'étais presque! Putain! Et qui passe ça, c'est la merde. Moi, dès que je me mets dessus, c'est la mort, c'est ça. Ah, ça pue, ça. C'est une putain de blague de merde. On refait. Mais bon, ça m'empêche pas de l'avoir. Tout le principe est là. Tout est là. J'ai vraiment plus grand chose à faire. Mais ce petit truc insignifiant est extrêmement pénible. Donc finalement, ce qu'il faut que je fasse, c'est mettre le mur le plus loin possible. Dernier mur, il est
Golden Armille. Il doit être juste là. Voilà. Ces derniers murs doivent être là. Ce qui fait que les mots que je dois former. Merde. Voilà, il faut que le end is you. Et... voilà. Comme ça, il est orienté gauche-droite, il n'y a pas de problème. Non, il y a un gros problème, en fait. Merde. À quoi que le peut, j'en ai plus besoin. C'est le Baba is you, il doit être orienté un peu plus... hein? Le Baba is you doit être orienté... comme ça. Comme ça. Donc. On the wall. And is move. Comme ça, ici. Tac. And on. On, putain de merde. And, on. Wall is you. C'est bon, je l'ai. Pas encore, mais... ah, oh, putain, il m'aurait fait courir celui-là. Voilà. Maintenant, and is move. À droite, en haut, à gauche, en haut, à droite, en haut, merde, reviens à droite, en haut, voilà. Pff. Bon, ça devait être une méthode parmi tant, enfin une méthode parmi tant d'autres, mais voilà, ça au moins c'est passé. Ouh. Ah bah on a quand même fait pas mal d'énigmes aujourd'hui, c'est cool. Heureusement je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, on va se retrouver la semaine prochaine pour la suite de nos aventures sur Baba is You. Petite visite. La numéro 8. Oh. Vu cette histoire. Mais bon, on a toujours le Flower Garden à terminer, après on s'occupera du Volcanic Cavern. Combien il me reste de niveau au fait? 1, 2, 3, 4, 5. 5 niveaux, ça peut être à la fois court comme ça peut être à la fois long. J'essaie d'en faire au moins 2 ou 3. Merci pour le bien joué au passage. Je rappelle encore une fois que ces niveaux-là, je les ferai après. Le niveau 8, vu que c'est des lettres, je vais faire les lettres après justement les chiffres pour bien faire tous les niveaux. Donc pour l'instant, sur les niveaux chiffres, il y a encore celui-là, celui-là. Probablement un petit niveau 10 derrière. On a les 3 niveaux-là qu'on va faire plus tard. Et encore toujours autant de niveaux, je pense qu'on est au moins parti pour encore une bonne dizaine de séances, parce que, mine de rien, c'est un jeu qui a énormément de niveaux. Franchement, à chaque semaine, je le dis, mais c'est toujours aussi bien joué de la part des développeurs de préparer des mécanismes pareils. C'est-à-dire, c'est le genre de truc, autant les résoudre, vous pouvez voir à quel point c'est chiant, mais autant les créer pour avoir ce mécanisme dans la tête, il faut déjà y penser. Et c'est ça que j'adore chez les casse-têtes, c'est qu'il faut que je me mette à la place de la personne qui l'a créé. Celui qui l'a créé, imagination débordante. Si je dis il, mais ça peut être il au pluriel. Enfin bref, toujours est-il qu'on se retrouve du coup mercredi pour un petit Utaka Live avec le docteur. Cette fois je vais jouer évidemment. Hein, je vais pas faire que commenter les tournois, je vais aussi y jouer de temps en temps. Ensuite, on se retrouvera samedi pour la suite de nos aventures sur Final Fantasy XII, dans lequel j'en étais où déjà? Ah oui, j'étais très en retard, je suis à la forêt de Salika, qui n'a rien à voir avec là où je dois aller. Mais j'ai quasiment fini le temple de Miliams, donc il faut absolument que j'XP pour pouvoir passer le prochain boss. Le problème, c'est que là où je suis, dans la forêt de Salika, les mobs sont un peu plus difficiles, mais ça me permet de gagner plus facilement d'XP.
Ils sont pas si difficiles que ça. C'est juste que il y a un truc qui m'embête beaucoup, c'est que je suis à côté d'un boss. Et si j'ai envie d'être surpété, surstuffé, etc., j'ai besoin de le vaincre. C'est le seul obstacle qui m'oppose à mon Saint Graal qui se trouve derrière ce boss. Mais bon, j'en dirai plus quand j'arriverai plus loin dans le jeu. Mais bon, je pense pas qu'il va y avoir de temple de Milliam de suite d'aventure samedi. Ce sera surtout une séance de farming. Et enfin, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures de Baba Is You, auquel je vais finir ces deux petits niveaux, j'imagine. Enfin, peut-être pas les deux niveaux d'un coup, mais au moins le Flower Garden, je pense qu'il va tomber la semaine prochaine. Cinq niveaux, je dis ça, mais peut-être que je vais passer 1h30 sur les énigmes. Et pour l'instant, c'est ce que je craignais, hein, c'est déjà arrivé, mais ça va, j'ai quand même fait 6 ou 7 énigmes aujourd'hui. Ça me fait du bien. Enfin, il reste encore le jeudi 16. Le jeudi 16, la semaine prochaine, aura lieu notre séance Game Clicker qui sera consacrée à un jeu de karaté avec plein de clins d'œil. Il y a des clins d'œil avec One Punch Man, il y a des clins d'œil Snake, il y a des clins d'œil Dragon Ball Z surtout, puisque le jeu Clicker en question n'est autre que Shonen Idol Z, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, Shonen Idol Z. Le petit jeu qui est là. Donc le petit jeu clicker qui se ferme tout seul comme d'habitude, comme un classique hein, chez moi. On rappelle que si je fais ce genre d'émission, c'est surtout pour les remerciements de tous les vues que j'avais fait à l'époque où je faisais du Clicker Heroes. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne nuit plus plus. Tchuss les gens.